Документальный фильм «Мешер Эспиньон» в эти дни снимала в Чебоксарах съемочная группа из Парижа. Картина посвящена семье Кочетковых, после Второй мировой войны высланной из Франции за просоветскую деятельность, и из французского рабочее название фильма переводится как «Мои дорогие разведчики». Très longtemps, je suis resté avec cette histoire-là, jusqu'à effectivement un journaliste qui connaissait un peu de ces questions-là, qui me dit, mais justement, ils n'ont pas été déportés en rentrant? Je dis, ah ben non. Ils ont été certes éloignés de Moscou, ils se sont retrouvés en Russie centrale, à Kirsch, puis après sur la Volga, à Tchéboksari, mais non, ils n'ont pas été déportés. Ah, il me dit, c'est bizarre quand même, mais ton grand-père, il était... il travaillait où? Je dis, bah, à Renault. Bah, tu sais que Renault, c'était quand même un nid d'espions considérable. Enfin, et est-ce que c'est vrai? Et ce que je te comprends, c'est de quoi notre grand-père est déçu? Bah, qu'il soit un espion, moi je dis que c'est possible. Vendredi 9 avril 1948. Je reviens à notre voyage. Nous arrivons à Kirsch. Quel patelin! Comme confort, électricité, c'est tout. Pas de gaz, pas d'eau. Помещение французской охранки. Разместив нас в одиночных камерах, нам учинили непрерывный и перекрестный допрос. Леон П. Леон В. Так, Центральный архив, улица Большая Лубянка. Ваше обращение 9 октября 2018 года, поступившее с портала России. Досье СД. Секрет Défense. Раиса Кочетков. Extrêmement active. Elle est très probablement agent des services soviétiques. Décision du ministre. Expulsion immédiate. Là, il y a un balcon. Il y a des balcons là aussi. Ah oui, mais ça, je crois pas. Bon, écoute, à Paris, à Moscou. Проблема сегодняшнего общества, проблема вот этого политического насилия заключается в том, что устраняется память.